Salut les terriens. Salut les terriennes. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Avec nous ce soir, 5 terriens extra. Pauline Delpech, Patrick Devedjian, Patrick Sébastien, Guy Carrier et Thomas Gijol. Voilà, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, très chaud. Alors, vous êtes ici pour commenter l'actualité de la semaine, mais d'abord, on va dire un mot de votre actualité à vous, et puis on y reviendra. Alors, Pauline Delpech, vous savez que pour un flirt avec vous, je suis prêt à n'importe quoi. Les yeux, c'est les vrais ou c'est juste pour la promo? C'est les vrais. Ah, c'est les vrais. Alors, vous êtes ici, Pauline, pour votre premier roman qui s'appelle « Sous la neige noire » chez Michel Lafond. Un livre qui fait peur, mais apparemment, sauf aux critiques, parce que vous avez plutôt des bons commentaires sur ce bouquin. Ouais. Patrick Devedjian, vous êtes député des Hauts-de-Seine, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, et vous avez été l'avocat de Jacques Chirac. Vous avez réussi à lui éviter la prison. Bravo. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi vouloir être ministre d'un prochain gouvernement Sarkozy alors que Chirac va perdre son immunité judiciaire? Ça vous aurait fait du boulot. Sûrement. Ouais. Je crois qu'il se défend très bien tout seul. Ouais. Alors, vous espérez que Jacques Chirac va soutenir Nicolas Sarkozy ou le soutien de Roger Hanin vous suffit? Eh bien, je trouve bien d'avoir les deux, tout de même. Ouais. Patrick Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans une des dernières émissions de télévision que vous ferez, parce que dans 3 mois, Sarkozy sera président. Oui. Vous serez interdit d'antenne. Sauf si maintenant, devant tout le monde, vous vous ralliez à Sarkozy. Faites-le, Patrick. Soyez raisonnable. J'aime beaucoup Monsieur Sarkozy. Je respecte en tant qu'homme politique. Je trouve qu'il défend très bien son truc. Simplement, ce n'est pas mes idées. Bon. J'ai pas envie de me réveiller le 7 mai avec Sarkozy, ni avec Ségolène, d'ailleurs. Ouais. Et je soutiens François Bayrou de toute l'élection. Vous pourrez toujours, en tous les cas, Patrick, travailler sur scène, comme vous vous apprêtez à le faire du 27 au 31 mars au Casino de Paris, avec Patrick Sébastien, fait la fête. Guy Carlier, bonsoir. Bonsoir. Alors, il sait, Marc-Olivier Fogiel, que vous êtes là ce soir? Oui, oui. Vous lui passerez le bonjour. Vous lui direz qu'on a hâte de le revoir à l'antenne. Bon, alors, vous êtes ici pour votre nouveau livre qui s'appelle « Sauf le respect que je vous dois » chez Michel Lafond et qui cartonne. Hein. Ouais. C'est combien? Troisième des ventes, non? Cinquième. Cinquième des ventes, bravo. Alors voilà, Thomas Gijol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un membre éminent du Jamel Comedy Club, ouais. Bientôt en tournée dans toute la France. Exactement. On vous voit aussi dans le grand journal de Michel Denisot. Ouais. Faites la minute noire. Voilà, alors, on commence avec le hit de l'actu. Je vous donne 5 événements importants de la semaine et vous me dites celui qui, pour vous, est le plus important, ok? Attention, on y va. Terrorisme, 4 Français tués en Arabie Saoudite, le retour sur scène de Michel Polnareff, l'appartement de Nicolas Sarkozy, l'ouverture du salon de l'agriculture et le retour en France de Jean-Luc Delarue, voilà. Alors, on va commencer avec vous, honneur aux dames, Pauline. Bah, le terrorisme, évidemment. Le terrorisme, évidemment. Mais je trouve l'épisode de la rue incroyable. Ah oui. Ben moi, ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai pris du Lexomil et de l'alcool, ça fait dormir. Oui, ça t'a pas fait ça. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc il y a peut-être la dépressurisation. Il y a peut-être autre chose. Je sais pas, il y a le café. Sans doute. Ou le sucre dans le café. Un excitant quelconque. Un excitant quelconque. Donc pour vous, c'est le terrorisme en Arabie Saoudite, les 4 Français assassinés. Pour vous, Patrick? Ouais, pareil. Parce que s'il s'agit de la vie des gens. Retour Polnareff, ça me fait marrer. Ouais. Non, ce qui me fait marrer, c'est le côté « je suis la plus grande star du monde », etc. Ouais. C'est bien, hein, j'aime beaucoup Polnareff. Hein. Mmh. Enfin, bon... Ouais. Le tout, c'est qu'il en soit persuadé. Faut pas déconner. Patrick, l'événement le plus important? C'est évidemment le terrorisme. Ah non, pardon. C'est pas l'appartement de Sarkozy. Non, c'est pas un problème, ça. Guy, alors pour vous, c'est évidemment, quoi? Évidemment, le terrorisme. Le terrorisme.
Pour moi, c'est aussi le terrorisme. Aussi ça veut dire que tout le monde se fout de l'agriculture. Bravo. Non, alors, le hic de l'actu, cette semaine, c'est le terrorisme. 4 Français tués, malheureusement, en Arabie Saoudite. Alors, je suis très intéressé par l'affaire de la rue. Vous savez qu'il a déjà fait le coup avec un saumon. Ça doit pas être drôle quand même de se retrouver dans un avion avec Jean-Luc Delarue en ce moment. Qu'à faire comme moi, prenez pas l'avion. Ouais. Attends, il y a des gens qui se retrouvent à la télé à le regarder tous les midis. Enfin, ouais. Si tu vois, ouais. C'est plus terrifiant. Dans l'avion, il y avait 50 personnes. Ouais. Là, il y en a 1 million tous les midis. Moi, je l'ai vu, son émission. Alors, Olivier Perrin est allé voir des passagers en embarquement en leur disant que Jean-Luc Delarue serait sur le vol. On regarde, on en parle après. Faites attention, hein. Delarue vient d'arriver dans l'aéroport. D'accord, on se planque. Be careful, Jean-Luc Delarue. Ah, ok. Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue. Santiago ? Ouais. Il a du retard. Hein. C'est... Ah bon ? Oui, parce qu'il y avait Jean-Luc Delarue dans l'avion et il a de nouveau pété les plombs. Quoi. Beaucoup de... Beaucoup des gars, il a mordu 18 personnes. Il a de bonnes dents. Hein. Monsieur, c'est par rapport à Jean-Luc Delarue que vous avez le... Oui, tout à fait. Ouais, attends. Faut pas être triste comme ça. Il va. Tu sais, Jean-Luc Delarue, il va s'occuper de toi la prochaine fois. Non. T'as envie qu'il s'occupe de toi. Je comprends, mais il peut pas. Quand il est dans un avion, il peut pas toucher les seins de toutes les filles. Vous êtes au courant de... Non, moi j'ai entendu à la radio. Voilà, vous l'avez entendu. Donc Jean-Luc Delarue est là. Donc par mesure de sécurité, il va falloir enlever des présentoirs tout ce qui est Lexomil, Prozac. Je pense qu'il faut voir avec la police. Ouais. Bon, on va vous mettre deux agents de sécurité ici, là. En faction. Parce que... En faction, ouais. On va faire une ronde, on va voir où il est. Vous faites une ronde, hein. De toute façon, il doit être dans les coins, s'il Ouais, il est dans le coin, mais on recherche, je sais pas. Ouais, ça dépend, peut-être au hall 5, hein, s'il part sur personne sur le bowling. Juste, messieurs, dames, je voulais vous informer que Jean-Luc Delarue est sur la plateforme. Si vous mordez des stewards ou touchez les seins des hôtesses, venez témoigner, ça se discute, hein. Voilà, Olivier Perrin, bravo. Quel mauvais esprit. Ouais, tu connais la maison. Ouais, mais vous allez chercher le mal partout. Oui, de toute façon, on lui souhaite rien de mal, hein, vraiment, Jean-Luc. Absolument. Oh, c'est pas bien. Alors, nous allons maintenant décerner le premier alien d'or de la soirée. L'alien d'or du passager que vous n'aimeriez pas avoir à côté de vous dans un avion. Jean-Luc Delarue. Joe Starr. Ah, je préfère. Samy Nasseri. Ralph Fiennes. Et Oussama Ben Laden. Alors j'explique. En ce qui concerne Ralph Fiennes, sur un vol Qantas Australie-Inde, il a sauté une hôtesse de l'air dans les chiottes. Mais le problème, c'est qu'il allait en Inde pour un colloque sur le sida et il a baisé la gonzesse sans préservatif. Oh le pauvre, voilà. Hit me! Ouais. Pas sûr. Alors quelle est celui que tu ne veux pas avoir à côté de toi, Patrick? Jean-Luc Delarue. Mais j'ai pas peur qu'il me morde. T'as peur qu'il te touche les seins? Non, je pense pas. Patrick. C'est naturellement Oussama Ben Laden. Ouais. Quoi, c'est pas un Quoique, attendez, si Oussama Ben Laden est dans l'avion, vous êtes sûr que l'avion ne va pas être attaqué? C'est pas sûr. Guy. J'aimerais pas être avec Ralph, parce que en plus, si j'ai besoin de l'hôtesse, elle est occupée, tu vois. Donc bien ça entendu, craint. Elle est dans les chiottes. Non, c'est lui, je veux pas. Ralph Fiennes, et vous, Pauline ? Oussama, quand même. Oussama. Bah oui. Bon. C'est donc Oussama Ben Laden qui remporte l'alien d'or du passager que vous n'aimeriez pas avoir à côté de vous dans un avion. Logique. Alors, on passe à notre rubrique, on s'en fout un peu, beaucoup, pas du tout, voilà. Alors, Nicolas Sarkozy, traité de buveur d'eau par la revue du Vin de France, et qui est parti en urgence visiter la cave d'un producteur de Sancerre. On s'en fout un peu, beaucoup ou pas du tout? C'est normal, c'est la campagne. Bah oui. Mais c'est vrai, pas un buveur d'eau, c'est vrai, Sarkozy. C'est un buveur d'eau. C'est un buveur d'eau. Non, il boit jamais. Voilà, j'ai pas confiance. Non, on boit pas d'alcool. En tous les cas, il peut prendre l'avion. Il boit pas, mais il fume des pétards de temps en temps. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Non, il y a rien. C'est de l'eau, du sport. Et de la politique. C'est inquiétant. Mais c'est quand même un mec qui est capable d'écouter des chansons de Barbelivien. Tu peux pas écouter Barbelivien à jeun, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bien. Les journalistes de la télé. Les pêches aussi. Oui. Les journalistes. Prends par les sentiments, là. Ah, oh, le filou, monsieur de Bédian. Oui. Hein, l'expérience, hein. Ah bah, très bon. Très bon. François Fillon, qui accuse Julien Dray de préparer un comité d'accueil spécial à Sarkozy,
j'expliquerai les hésitations de Nicolas à se rendre en banlieue. On s'en fout un peu, beaucoup ou pas du tout. C'est vraiment pour dire du mal de Julien Drey, parce que j'imagine pas Julien Drey pouvoir organiser quoi que ce soit à Argenteuil. Ouais. Ah, je... Très bien. Julien Drey, on l'a jamais vu à Argenteuil. Non, hein. Non. Non, non. Évidemment. La France qui compte deux fois plus d'obèses qu'il y a 10 ans, on s'en fout un peu. Complètement. Non, alors... non. La cigarette à nouveau autorisée au Parlement de Strasbourg qui avait voté son interdiction dans les lieux publics. On s'en fout un peu, beaucoup, pas du tout. Alors, c'est-à-dire qu'on va plus fumer, on va plus boire et tout ça, et on va faire des bons vieux, et à la première canicule, on va nous laisser crever en bonne santé. Je suis désolé d'intervenir dans le débat là, mais est-ce que tu te rends compte que ces mecs-là ont un talent tel qu'ils ont réussi à faire swinguer le petit bonhomme en mousse, quoi. Bravo. Attention, François Bayrou qui veut interdire aux grands groupes de posséder des chaînes de télévision. On s'en fout un peu, beaucoup, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bah, non. Pas du tout. Je suis d'accord. Pas du tout. On s'en fout pas. C'est le témoin de mariage de Nicolas Bouygues. Et alors c'est ça qui est... Non mais, vous préférez sans doute avoir des chaînes étrangères. Alors, nous allons lire clairement ici. TF1 ne roule pas pour Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas, monsieur Demadjian? Je ne sais pas pour qui roule TF1. Mais non, TF1, les journalistes de TF1, comme Patrick Sébastien, ont le droit d'avoir une opinion. Bertrand Cantat, en photo dans VSD, on s'en fout un peu, beaucoup ou pas du tout? Moi, j'aime bien VSD, mais je trouve ça honteux. Vraiment, de toute façon, photo volée toujours. Et quand je pense qu'un type, ça doit être un maton, semble-t-il, ouais, a pris... Enfin, ça laisse rêveur sur l'âme humaine. Quoi. Patrick est le mec qui est allé voir Guy quand il était dans sa clinique d'amaigrissement. Tu crois pas que c'est énorme, ça? Le petit, là. Voilà. Alors, Thomas M. Gijol. Vous faites partie du Jamel Comedy Club qui est en tournée dans toute la France. Hein. Mmh, voilà. C'est ça, on va parcourir toute la France et faire rire toutes les grandes villes de France. Bah, vous m'avez beaucoup fait rire en tous les cas quand j'y suis allé. Je trouvais ça génial. Thierry. Alors, il y a des membres du Jamel Comedy Club partout. Il y a Amel qui est sur France 4. Il y a Fabrice Eboué qui est chez Marc-Olivier Fogiel. Ouais. Vous êtes dans le grand journal de Denisot. Ouais. Et on n'en voit pas sur TF1, sauf dans l'émission de Charles Villeneuve, on a le droit de savoir, mais sinon... Mais ils sont cryptés un peu, ils sont cryptés. Non, il y a un agent endormi. Ouais. Ouais. Il y a Jean-Pierre Pernaut qui fait des blagues pour moi. Il est vachement drôle. Bon, vous avez une bonne vanne dans votre spectacle là, sur Michael Jackson. Là. Ouais. Ouais. Il dit qu'il adore Michael Jackson. Ouais, c'est vrai que je dis que j'aime beaucoup Michael Jackson et que s'il promet de refaire un deuxième Billie Jean, voire un deuxième album Thriller, je lui donne mon fils, quoi, en cadeau. Ouais. C'est hard. Ah ben avec lui, on sait jamais, c'est du lard ou du cochon, vous êtes très pincant, rien, vous savez ça. Hein. C'est vrai qu'un peu comme Patrick. Hein, c'est le même genre de comique que de Médian, c'est vrai. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite de Salut les Terriens. Rebonsoir les Terriens. Rebonsoir les Terriens. Bienvenue sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Rebonsoir à vous tous. Alors, en ce moment, l'actualité politique, c'est la Bayrou Mania. Voilà, c'est comme ça. François Bayrou est en train de devenir l'espoir de toute une nation. Sans déconner. Plutôt que de lire les journaux, on ferait mieux de relire les fables de La Fontaine. Connaissez-vous celles des voleurs et de l'âne ? Deux voleurs se disputent un âne. L'un veut le garder, l'autre veut le vendre. Leur querelle devient plus importante que l'âne. Alors, survient un troisième larron qui emporte le baudet.
Ah, le troisième larron. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Mais tant que le troisième larron était borgne, les deux voleurs n'étaient pas inquiets. L'âne a beau être une buse, il ne va pas suivre un type qui lui promet des coups de trique. Finalement, les deux voleurs adorent ce troisième larron. À chaque fois que l'âne se plaint, « Mettez-vous d'accord, qu'on avance !» Les deux voleurs répondent, « Tais-toi, tu veux que le troisième larron t'emporte ? Attention, il est très 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 méchant !» Oui mais voilà, cette fois le troisième larron a un nouveau visage. Et il fait près de 20% dans les sondages. Alors l'âne, qu'est-ce qu'il en pense devant sa télé ? Voilà, Patrick, sans déconner. Vous voyez François Bayrou président, vous ? Pourquoi pas, moi c'est un rêve de mes 14 ans. Dans ma famille, c'est... Non, mais attends, je t'explique pourquoi. Ah ouais. Parce que dans ma famille, il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, c'était les vieux ah ouais. trucs FTP, FFI. Ouais. Et les dimanches, ils s'engueulaient, et des fois, ils allaient jusqu'à se battre, et je leur disais, mais moi, je vous aime pareil, vous avez des bonnes idées d'un côté, vous êtes trop con de vous battre. Et je prenais des tartes parce que je disais trop con, déjà. Patrick, vous voyez ouais. François Bayrou un peu comme un De Gaulle, comme un Mendès France, comme un rassembleur. Non, De Gaulle, c'est De Gaulle, ça n'a rien à voir, on n'est pas ouais. dans les mêmes périodes. Ouais. Moi, je dis, pourquoi on n'essaye pas, quoi. Ouais. Pourquoi on n'essaye pas ? Parce que c'est vrai que, tu vois, la perspective de dire, voilà, ça va se passer normalement, ouais. le 7 mai au matin, on ouais. aura ou Ségolène ou Sarkozy. Je vais me réveiller en me disant, putain, ça fait chier, c'est reparti, on connaît déjà, quoi. Mais vous dites, Patrick, que Sarkozy vous fait peur. Un grand garçon comme vous, il mesure 1m12. Non, mais attends, ouais. c'est pas... Mais tu sais très bien, il fait... Ouais. C'est pas peur, ouais. c'est pas peur. J'aime pas du tout le numéro en ce moment, à la fois de Ségolène et de Sarkozy, parce qu'il y a une espèce où tu sens, tu sais, tu regardes la télé, tu as l'impression que les conseillers lui se fait comme ça. Nicolas, par exemple, depuis une semaine, il a plus la même voix. Moi qui suis imitateur, j'ai l'oreille. Il parle tout doucement comme ça. Il est calme. On a l'impression qu'il est plus naturel. Ségolène, quand elle a touché le mec avec le fauteuil, je suis désolé, mais n'importe qui dans cette salle, quand on a un mec dans un fauteuil, bien sûr qu'on va être ému et bien sûr qu'on va compatir. Mais la compassion, c'est ni un programme et c'est surtout pas un spectacle. Et moi, ça m'a touché, ça m'a fait mal. Ça. Alors les autres, qu'est-ce qui pourrait vous faire voter Bayrou à part la drogue ? Moi, Bayrou, j'ai du respect pour lui depuis qu'il a mis une gifle à ce petit. Là. Non, c'est vrai, vous vous rendez pas compte, aller au milieu d'une cité sans savoir qui c'est, le mec, il lui met une tarte, et il dit comme ça, tu ne me fais pas les poches. J'ai dit ça, c'est un homme. Et c'est ouais. ça, en fait, c'est ça qu'on a plus envie de voir, c'est les politiques. Pas que vous mettiez des claques à tout le monde, parce ah que bon... Physiquement, vous ne pourrez pas tous, pour certains. Mais non, mais le truc, c'est qu'on a envie aussi de voir des gens naturels. On ouais. s'en fout de « oui, je veux faire ». Quitter, en fait, au final. Ouais. Qu'est-ce que ouais. tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Arrête de me parler comme je ne sais pas quoi. Tu veux aller où, concrètement, tu ouais. vois ? Bayrou, alors, non, mais est-ce que ça vous inquiète, Bayrou, comme candidat ? Non, mais d'abord... Moi, je suis d'accord, Bayrou est tout à fait respectable. D'ailleurs, Ségolène Royal aussi, elle est respectable. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est dans le projet des uns et des autres. Moi, d'abord, ce que j'apprécie chez Nicolas Sarkozy, au-delà de la relation que je peux avoir avec lui, c'est son projet. Bon, voilà, j'adhère au projet de Nicolas Sarkozy, j'adhère pas à celui de François Bayrou. D'ailleurs, il est assez restreint. Guy Carrier. De toute façon, Bayrou, il va perdre, forcément. Un mec qui est soutenu par Duhamel, qui a soutenu quand même Balladur, puis qui a annoncé que Jospin serait président, ouais. Forcément, il est, tu vois, c'est le chat noir. Pauline, ça vous tente, Bayrou ? Oui, non, mais moi, j'ai, à côté de vous, je suis complètement inculte. Donc, mais ce que j'aime. Non, j'y connais pas grand-chose en politique, mais ce que j'aime beaucoup chez ce mec-là, c'est que je le sens intègre et honnête. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que si Bayrou est au deuxième tour, il sera élu, non ? Je sais pas forcément. Bien. On va faire une interview deuxième tour. Alors attention, des réponses claires, nettes et précises. Bayrou Sarko, vous votez pour qui ? Je vote pour moi. Je vote pour Bayrou. Bayrou. Sarko. Vous ? Bayrou Sarko. Bayrou ? Bayrou. Bayrou Sego. C'est là que c'est dur. Ouais. Je retourne en Suisse. Moi, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Bayrou pour toi, Guy. C'est terrible. Non, mais il va avoir des ennuis. Ce qui est intéressant, c'est Patrick. Oh, il n'y a pas de problème. Très sur Bayrou Sego, tu votes pour qui, Patrick ? Bayrou. Oui. Ah oui, d'accord. Bon. Sarko Sego. Sarko. Thomas ? Sego. Sego. Guy ? Sego. Blanc. Bayrou Le Pen ? Bayrou. Bayrou tout le monde. Sego Le Pen ? Sego. Attends, Sego Le Pen. J'ai répondu. Sego. Oui. Sarko Le Pen ? Sarko. Bien sûr. Ça recommence comme avec Chirac. Voilà. Et Le Pen de Villiers. Oh. Moi, je le parle. Belle Le Pen. Ah. Ah, voilà. Le Pen de Villiers, là, on est là. Ouais. Non. Le Pen de Villiers,
Le Pen de Villiers. Pardon, je préfère l'original à la copie. Ça n'arrivera pas. Oui, mais si ça arrive. Ça peut pas arriver. Je préfère l'original à la copie. Le Pen. C'est un homme extrêmement brillant. Et dans 80% de ce qu'il dit, il y a quelque chose de profond et de vrai. Il y a 20% d'insupportable. Évidemment qu'il y a des choses sensé dans ce qu'il a pu dire, mais il y a tellement de haine qui porte tout ça que tu peux absolument pas adhérer. Imagine un humaniste avec le talent qu'il avait. C'est ce qu'on dit toujours, si Le Pen y était socialiste... Il serait président de la République. Mais depuis longtemps, c'est le plus dur. Quand Le Pen dit « la France, aimez-la ou quittez-la », tout le monde dit que c'est dégueulasse. Quand c'est Sarko, tout le monde trouve ça bien. C'est un autre débat, mais il n'est pas anormal d'aimer son pays, quand même. Mais on n'aime pas la façon dont fonctionne la France, c'est ça. Non, mais j'aime pas Patrick, la France. Je veux juste savoir une chose, parce que c'est un soutien de Sarkozy. Non, attends, tu vas pas nous faire un quittage de plateau. Thomas. Ah non, c'est pas vrai. Ils n'arrêtent pas de quitter les plateaux, là. Thomas. MJ Jol. Je voulais savoir... Nous allons maintenant décerner le deuxième alien d'or de la soirée, l'alien d'or de la citation politique la plus mégalo de la semaine. Maintenant, j'ai la meilleure équipe, Ségolène Royal. Ma campagne, un sans faute, Nicolas Sarkozy. Je crois que je serai élu président de la République, François Bayrou. Je sens se lever une immense vague qui va balayer le système, Jean-Marie Le Pen. Oui, la victoire est possible, Philippe de Villiers. C'est lui, là. Alors, c'est le canaille, la dernière, vous l'avez inventé, là. Non, il n'y a rien inventé. Alors, qui mérite, selon vous, l'alien d'or de la phrase la plus mégalo de la semaine? De Villiers, il enchaîne les... Toi, pour toi, c'est De Villiers, Thomas. De Villiers, pour vous aussi, De Villiers. Je trouve que Sarkozy et Bayrou, c'est pas très... Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc c'est qui pour toi? Non, oui, la victoire est possible, mais putain, bon. C'est le PSG qui va gagner contre le Real Madrid. Ouais. Je veux dire, c'est pas possible. Non, je plaisante. Toi? Moi, voilà, je pense que l'affaire est dans le sac. Je vais t'en citer une que j'ai lue l'autre jour, mais écrite sur un mur. Elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est de Sacha Guitry, mais elle irait bien à tous les politiques. C'est quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Ah! Elle est très jolie. Je pense à quelqu'un. L'alien d'or de la citation politique la plus mégalo de la semaine est attribué à Philippe de Villiers. Alors, Guy Carlier, donc chaque matin à 7h54 sur France Inter, vous publiez chez Michel Lafon, sauf le respect que je vous dois, vous comparez les candidats à des Pères Noël avec des paquets bonheur, dites-vous, dans leur hôte. Mais dites-vous des Pères Noël de grande surface, c'est-à-dire que sous le manteau rouge, il y a des costumes finalement. Ouais, on voit le jean. Ça. Ouais, ouais. Bah oui, évidemment. Ils ont même pas la classe, c'est les gars. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, c'est un dictionnaire des présidentiables. Hein. Quand on a lu ça, on peut choisir après. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un dictionnaire des présidentiables et de certains qui ne le sont plus. Comme Lang, Fabius, etc., mais qui m'amusait, ou Chirac, et que j'ai mis aussi dans le bouquin. Alors, la période électorale est propice aux rumeurs, surtout à l'époque d'Internet. On va savoir si vous savez les reconnaître, ces rumeurs. Alors, dans le dernier clip de Michel Polnareff, ce serait Jean-Paul Rouve qui jouerait Michel Polnareff. Rumeur, pas rumeur. 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 Mais... Elle n'est pas rumeur. Il a peut-être demandé de faire une apparition en clin d'œil. Il a demandé d'accepter des interviews, je ne sais pas. Bravo, par rumeur. Par rumeur, bravo. Hein. Eh oui. Si Ben Laden se rasait la barbe, il aurait exactement la tête de Julien Courbet. Rumeur, par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Si, si, rumeur. Ah, attention. Au cours de sa vie, une femme parcourait 11 000 km derrière un aspirateur. Rumeur, par rumeur. Rumeur. C'est pas possible. 11 000 km? Ouais. Ça fait pas beaucoup. Oui, mais... Non, il a volé l'aspirateur, peut-être. Mais... Ça dépend. Ça fait beaucoup. Eh ben, je suis désolé pour vous. C'est pas rumeur. Je le savais. Ouais. Ouais. 11 000 km. Ça fait plus. 1 300 km. Mais le mec qui a compté ça, ouais. 11 000 km. T'imagines? Attention, le sperme de Patrick Bruel serait coté en bourse. Rumeur par rumeur.
Non, tu déconnes, c'est pas non, possible. Non, grosse rumeur. Non, non, c'est pas possible. Pas rumeur. Alors ? Rumeur, je sais pas. Rumeur. Rumeur. Ouais. Faut pas déconner non plus. Au cas où il serait élu, François Bayrou chercherait déjà une autre femme plus présentable que la sienne pour être la première dame de France. Elle est bien, elle est bien. Elle est vachement bien. Elle est vachement bien, sa femme. Attention, le jour de la Saint-Valentin a été le jour où il y aurait eu le plus de suicides de célibataires dans le monde. Rumeur, par rumeur. C'est possible. Par rumeur. Par rumeur. Ouais, ce serait possible. Moi, je dis possible. Non, non, c'est possible. Guy ? Prêt. Rumeur. Une étude vient de prouver que les gens qui votent à droite vivraient plus longtemps que les autres. Ah, c'est vrai. Oui, ce sont des nantis. C'est ça. C'est normal. Ils ont accès à la médecine mais de vitesse. C'est pas vrai, mais il faut le dire. Voilà. Ceux qui votent au centre ont la vie éternelle aussi. Ouais, bien sûr. Une étude vient de prouver que les gens qui votent à gauche baiseraient plus que les autres. Humeur par humeur. Ah ben, ils dosent par humeur. Se font baiser plus que les autres. Ça, je le crois. Non, ils baissent moins que les autres parce que leur femme court après l'aspirateur. Voilà, on se dit. Attention, depuis que l'on est entré dans l'année du cochon, François Hollande éviterait le 13e arrondissement. J'arrive même pas à la dire. C'est dégueulasse. C'est de la discrimination fiscale. C'est horrible. Oui. C'est de la discrimination fiscale. Il m'a fait une belle réflexion sur Hollande. Ouais. Il m'a dit à chaque fois qu'il arrive vers moi, j'ai envie de lui donner mon ticket de train. Ouais. C'est vrai qu'il a, il a une dégaine de contrôleur de la SNCF. Vrai. Des soldats américains en Irak se seraient inspirés de certaines scènes de torture de la série télé 24 heures pour terroriser des prisonniers. Par rumeur. Par rumeur, absolument. Ouais. Ingrid Betancourt vivrait au Mexique à Carmen del Playa depuis plus de 3 ans. Par rumeur. Par rumeur. Avec un dénommé Ramon Mercader. Ah, des chercheurs auraient découvert dans des grottes préhistoriques une peinture qui, d'après eux, serait le portrait de Régine. J'arrive même pas à la faire. Sur eBay. On pourrait s'offrir, si l'on gagne aux enchères, un dîner en amoureux avec Laurent Boyer ou Ophélie Winter. Rumeur par rumeur. Par rumeur, c'est bien. Par la vache. Ben non, c'est pour une association qui s'appelle le FNAT, qui lutte contre l'exclusion des accidentés de la vie. Donc si on gagne aux enchères, on peut dîner avec Laurent Boyer ou Ophélie Winter. Voilà. Ah oui, comme ça, tu vois de près un accidenté de la vie. Bravo. Très bonne dame. Non, non, il est en forme. Alain Delon ferait payer une redevance à son fils Anthony pour l'utilisation du nom Delon. Rumeur par rumeur. Rumeur. Ah, pour tous les petits enfants de droite, il existerait un Playmobil policier avec son radar automatique pour mettre en prison les Playmobil qui roulent trop vite. Rumeur par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, naturellement. Je sais pas. La preuve en image. Ah. Donc ce n'est pas une rumeur. Voilà. Par rumeur. En fait, Johnny ne vivrait pas en Suisse, il vivrait en France, à Chamonix. Il se serait trompé. Il devrait finalement payer des impôts en France. Voilà. Patrick Sébastien. Vous serez au Casino de Paris du 27 au 31 mars. C'est avant les élections, j'y serai. Voilà, avec un spectacle intitulé « Patrick Sébastien fait la fête ». En fait, je me fais plaisir parce que je suis passé la dernière fois au Casino en 87, il y a 20 ans pile. Je sortais de un mois d'Olympia et j'ai fait un mois au Casino. Mais à l'époque, je faisais que de l'imitation. Je faisais J'étais le Laurent Gérard de l'époque. Ouais. Et puis, j'ai laissé tomber ça. Mais j'ai continué à faire des spectacles avec mes 20 musiciens. Ouais. Parce que c'est mon pied. Donc, tu vois, on parlait du plus tout à l'heure. Je te jure qu'avec 20 musicos, avec les batucadas dans la rue, on ne va pas gagner d'argent. Mais qu'est-ce qu'on va s'éclater ouais. Par rapport à l'époque, vous dites les humoristes d'aujourd'hui sont des mange-merdes qui n'osent plus l'ouvrir parce qu'ils ne pensent qu'à vendre leurs DVD. Certains. Ouais. Ah ben, y a certains qui prennent plus les risques parce que derrière, ils ont des mecs qui leur disent attention, je ne vais pas te dire de nom, mais... Ouais. Et je veux dire, il y a d'autres sketchs à faire que sur les tentes de camping et sur les araignées. Vous dites, Patrick... Je sais c'est qui, mais je pourrais pas le dire. Patrick, vous dites que Bigard puisse supporter Sarkozy, ça m'effraie. C'est pas les sketchs de Bigard plutôt qui vous effraient. C'est que Bigard... Non, c'est que Bigard un peu pour moi. Ouais. Bigard, moi, je voyais pas se ranger où que ce soit. Ouais. Mais
plutôt dans ceux qui gueulent. Quoi. Et pourquoi justement les gens en ce moment ils aiment bien se ranger là, il y a un business de rangage en ce moment. Patrick, est-ce que ça vous aide, vous, enfin dans la politique, qu'il y ait des gens qui se rangent derrière vous? C'est sympa en tous les cas, ça fait plaisir. Quand vous avez Stevie, Doc Gineco et Bigard, c'est pas... C'est vrai. Bon, on aura peut-être Ardisson. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de comité de soutien, moi tu m'as jamais vu. Non. Pourtant j'étais très chiracien. Non, toi tu vas dîner à l'Elysée, toi. Mon dîner à l'Elysée m'a valu une des plus belles réflexions que j'ai eues pour prouver que le président a vraiment de l'humour. Quand il a été élu de tout fraîchement, première fois que je suis allé à l'Elysée, comme des très copains, je suis arrivé, j'ai fait putain, bel appart. Il me fait, eh oui, de particulier à particulier. Ah, c'est bon. C'est joli. Hein. Bravo Chirac. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Ouais. Stéphane Guillon, bonsoir. Mais d'abord, le zapping de Canal. C'était le zapping de Canal, à vous Stéphane, pour votre revue de presse de la semaine. Anniversaire, Gaston fête 50 ans de gaffe. Une idole pour Ségolène Royal. Pour Sarkozy, la campagne présidentielle, c'est une forme d'oubli de soi. Oubliez Sarkozy, enfin une réforme qui nous tente. Après ses déboires à Argenteuil, Sarkozy revient enfin en banlieue à Perpignan. Perpignan, ça craint. T'as des lieux comme ça en France, le Mont-Saint-Michel, la promenade des Anglais. T'as une caïra locale, des vieux avec des caniches. Et là, inutile de les carchériser, surtout au mois d'août, être rafraîchi, il ne demande que ça. Sarkozy aurait promis à Santini le ministère de la Culture. Santini avec ses vannes pourries, ça promet. Le budget de la comédie française alloué au théâtre des Deux Ânes. Ah ouais, super. Une super affaire, Thierry, si ça vous intéresse. Ouais. Dans les pages immobilières du Figaro, c'est l'agence UMP qui propose ça. UMP, urbanisme, magouille et privilèges. Un duplex terrasse à Neuilly, vue sur Seine, 200 000 euros. C'est pas cher. C'est pas cher. Hein. Ouais. Alors dépêchez-vous, il n'y en a qu'un. Après, au même prix, c'est Clichy-sous-Bois. Pas de terrasse, mais l'antenne parabolique est offerte. Et un grand merci à Jacques Chirac qui, pour sauver les salariés d'Airbus, a roulé une pelle à la chancelière allemande. Ah ouais. Ah. Et une semaine avant, Sarkozy avait essayé. Mais bon, dans un pays où les hommes mesurent en moyenne 1m90, Angela Merkel a refusé. Après s'être prononcés sur l'état de leur patrimoine, les candidats se prononcent sur la grandeur de leur sexe. Bravo. En même temps, il a plus sa prostate, donc c'est moins grave. Fait divers, un CRS accuse des policiers de l'avoir violenté. Des policiers qui tapent un CRS, il y a un truc qui cloche. Ah! Le CRS s'appelle Jamel Bousseta. Tout s'explique. À Paris, un octogénaire abat deux personnes. Eh ben voilà, voilà. Il n'y a pas eu de canicule l'été dernier. Résultat, les vieux pètent le feu. Juliette Gréco monte sur scène. Orlando prépare une expo d'Alida. Et Ariel Dombal se dépoile au Crazy Horse. Merci la météo. Trois blessés par balle pendant un match à la Courneuve. C'était l'équipe de la Samaritaine qui jouait. Usage de lattes, couteaux et armes à feu. Décidément, on trouve tout à la Samaritaine.
Société, dans VSD, les photos d'Amilia, 280 grammes à la naissance. Un bébé très facile à congeler, contrairement au petit courgeot qui à deux courgeot. Remplissait le congélateur. Là, tête bêche, on peut en mettre 24. Ça fait une crèche, une idée pour Delanoé. EDF, 200 barrages menacent de céder. Eau plus électricité. Si celui de Serre-Pousson lâche, 200 000 riverains rendraient un hommage à Claude François. EDF, ils nous doivent plus que la lumière. People, Marie Drucker a présenté les victoires de la musique classique. Grande mélomane, Marie pratique avec son compagnon, le ministre François Baroin, la musique de chambre. Ouais, si Santini est à la culture, faut que je fasse des vannes pourries, désolé. Dans la série, nos vedettes s'affichent avec des politiques. Une première, Delarue fait une connerie sans rejoindre le clan Sarkozy. Il y a un petit temps de... Hein. À partir d'aujourd'hui, Jean-Luc se visite au parc animalier de Thoiry. Vous pouvez photographier l'animateur. Attention, ne faites pas comme cette dame, restez dans la voiture. Jean-Luc est atteint d'un mal très rare, très humain avec les animaux et très animal avec les humains. À la semaine prochaine, merci beaucoup, salut. Un maximum de bruit. Stéphane Guillon, merci. À la semaine prochaine. Et avant la pub, le jeu de la pub. Ce soir, l'inconnu de la semaine, c'est qui ? Sur le plateau de l'émission qui se joue de l'actu. Voilà. Alors, d'abord le résultat du jeu de la pub, l'inconnu de la semaine. Donc, c'est qui ? Roselyne Bachelot. Non. Britney Spears. Britney Spears, bravo. Vous avez tous gagné. Bravo. Alors, lundi dernier, le Parisien a annoncé que la France est devenue championne d'Europe de l'absentéisme au travail. Championne d'Europe, mes enfants. Bravo à tous. Ah, c'est la victoire d'un collectif. Bien sûr, on aurait préféré être champion du monde de foot, mais enfin, voilà. On peut pas tout avoir. On regarde et on en parle après. C'est nous les champions, c'est nous les champions. Eh ouais, c'est nous les Français qui sommes champions d'Europe de l'absentéisme 2006. Attention, hein, c'est Eric Crac. 4,5% de taux d'absence, soit juste un dixième de plus que les Allemands deuxième, mais on a gagné. Enfin, trêve de chauvinisme, revenons sur les raisons tant tactiques que techniques de cette victoire. Alors, sur le plan tactique, notons que les Français disposent d'une bonne protection en cas d'arrêt maladie. Cette victoire, c'est celle de tous les Français bien sûr, mais on peut quand même féliciter les professions de guichet, banque, assurance et administration qui sont en tête pour l'absentéisme. Après, sur le plan technique, rappelons que le jour où les Français sont le plus absents, c'est le lundi. Alors on revoit l'action au ralenti. Samedi, dimanche, deux jours fériés. Je suis malade le lundi, ça fait trois. Et si j'ai posé un RTT le vendredi, oh là 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 que c'est beau, quatre à la suite. Record d'Europe d'absentéisme, mais aussi RTT, 35 heures, et record du monde des jours de vacances avec 39 jours par an. Les Français pourraient passer pour des feignants, sauf que c'est tout le contraire. La France a le taux de productivité horaire le plus élevé au monde après la Norvège. Les Français travaillent moins longtemps, mais plus intensément. Résultat, c'est aujourd'hui le stress qui est la principale cause d'arrêt de travail, alors qu'il y a 20 ans, c'était les accidents. Alors attention quand même, hein, les éleveurs de poulets en batterie savent qu'un stress excessif fait baisser le rendement. On notera ainsi qu'au technocentre de Renault, le stress semble avoir été à l'origine de cas d'absentéisme définitif assez inquiétant.
Alors si on regarde l'avenir, on note l'apparition d'une nouvelle discipline aux États-Unis, le présentéisme. Les Américains ont tellement peur de perdre leur job qu'ils viennent travailler même malades. Résultat, 180 milliards de pertes pour l'économie. Heureusement, en France, on n'en est pas là. Notre sport national à nous, c'est l'absentéisme. Les députés d'ailleurs, ne sont-ils pas là pour donner l'exemple ? Voilà. Alors, Patrick Devedjian, Nicolas Sarkozy veut redonner aux Français le goût du travail. Mais ça, quel goût le travail ? La fraise, la vanille, c'est quoi le goût du travail ? Vous trouvez qu'on ne travaille pas assez, franchement ? Mais j'ai bien aimé l'observation suivant laquelle on avait l'heure de travail la plus productive. Oui, oui. Moi, je pense que si on travaillait encore moins, oui, la productivité de l'heure qui reste sera encore plus élevée. Voilà. En même temps, le taux d'absentéisme... Ils comptent les dom-toms dedans ou pas? Ben non, mais c'est vrai, l'Espagne, le Danemark, ils n'ont pas les dom-toms. Oui, c'est vrai. On a un boulet, on a un boulet, faut le dire. C'est vrai qu'on a un boulet. Toi, t'es né dans le 12e, hein? Oui, je le rappelle. Alors, Pauline Delpech. Vous publiez chez Michel Lafon Sous la neige noire, un livre qui fait peur, un thriller. Moi, j'ai essayé de le lire, mais le problème, c'est que ça fait tellement peur qu'on met sa main devant les yeux comme ça, on n'arrive plus à lire. Oh, l'excuse. Ça marche bien, en tous les cas. Excellente critique dans Madame Figaro. Vous êtes de l'UMP ou quoi ? Absolument pas. Joli panache, maîtrise stupéfiante, écriture vive et colorée, début enthousiasmant. Puis même dans Marie-Claire, il y a une très jolie critique, dans Le Parisien. Ouais. Non, mais c'est encourageant pour le deuxième. Ouais, c'est formidable. Ouais, c'est bien. En plus, vous êtes jolie, vous avez tout pour plaire. On va faire une interview tout pour plaire, d'accord ? Allez. On va voir si vous avez vraiment tout pour plaire, d'accord ? Est-ce que vous laissez votre mec regarder le foot à la télé ? Oui. Est-ce que vous appelez votre mère au grand maximum une fois par mois ? Plus. Aïe. Est-ce que vous pensez que la fidélité dans un couple, c'est vieux jeu ? Moi, j'y crois pas. Donc, oui, c'est vieux jeu. Tout pour plaire. Est-ce que vous passez moins de 10 minutes le matin pour vous préparer ? 10 minutes, je passe. Ouais. Vous couchez le premier soir ? Oui. Tout pour plaire. Tout pour plaire. Est-ce que vous taisez quand les hommes parlent à table ? Quand c'est intéressant, oui. Ouais. Est-ce que vous avez envie de faire l'amour 3 fois par jour ? Ça dépend de l'homme qui est avec moi. Ça peut arriver ? Oui. Est-ce que vous avez une sœur jumelle qui n'est pas contre les plans à 3 ? Non, j'ai pas de sœur jumelle. Merde. Mais j'ai des bonnes copines. Ah ! Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous faire échanger dans un club échangiste ? Non. Ah. Vous aimez bien vous faire filmer en train de faire l'amour ? Oui. Est-ce que vous séparez le blanc et les couleurs ? Non. Aïe. Ouais, je sais. Ah ouais. Et pour les vêtements noirs, vous n'utilisez pas une lessive spéciale ? Non. Aïe. Je sais. Vous oubliez parfois de mettre des sous-vêtements, Pauline ? Oui, mais pas aujourd'hui. Ah. Si votre mec vous trompe, vous lui proposez de vous joindre à lui et à sa maîtresse ? Ah oui. Si la fille me plaît, oui. Ah oui. Tout pour plaire. Tout pour plaire. Tout pour plaire. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à notre grand jeu, le champion de l'actu. Alors là, c'est pas un quiz à la con où on répond n'importe quoi. On compte les points, attention en régie, et on ne répond pas avant que j'ai fini de poser la question. Attention. Que faisait Dominique de Villepin lors du dernier Conseil des ministres ? Il dormait. Il faisait des moustaches aux photos de Sarkozy dans le journal. Il corrigeait les épreuves de son livre. Il dessinait des bites sur la table. Il critiquait l'action du gouvernement avant de se rendre compte que c'était lui le chef du gouvernement. Il corrigeait les épreuves de son livre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, bravo Patrick Sébastien. Pour Philippe de Villiers, la France est au bord de la route, du dépôt de bilan, de l'abîme, de la crise de nerfs ou du suicide. À mon avis, il a dû dire le truc classique, il a dû dire la France est au bord de l'abîme et grâce à moi va faire un grand pas en avant. De l'abîme, de l'abîme, de l'abîme, de l'abîme. Très bien, c'est la bonne réponse. Selon Zazie, qui a le plus essayé de pécho Yannick Noah lors du concert des Enfoirés, Laurie, Hélène Ségara, Pierre Palmade ou Liane Folie.
la réponse. Pierre Palmade. Pierre Palmade. Ouais, Palmade. Ah bon? Magnéto pour la réponse. Si, si, si. Oh, mais non, c'est pas les chanteuses, c'est Pierre Palmade. Voilà, c'était Pierre Palmade qui voulait pécho Yannick Noah. Voilà, attention. On se concentre. Qui est en tête, Stéphane? Sébastien et Thomas sont à égalité. Le prochain roman de Frédéric Becbédé s'appellera « Au secours, laissez-moi quitter le grand journal. » Au secours, pardon. Au secours, c'est quoi ce menton? Au secours, j'étais le gendre de Johnny Hallyday. Et au secours, hein, des pauvres. Au secours, pardon. C'est au secours, pardon. C'est Thomas qui est en tête, là. Où était Ségolène Royal le vendredi 23 février sur le coup de 23 heures? Dans le lit de Bernard-Henri Lévy, au restaurant avec Lionel Jospin, sur la scène du Jamel Comedy Club, au barrio latino avec des copines pour la soirée célibataire. Il le sait, lui. Sur la scène du Jamel Comedy Club. C'est une collègue aussi, pour l'occasion. Qui a déclaré « Désormais, chère Ségolène, c'est une pour tous et tous pour une ». Laurent Fabius, Lionel Jospin, François Fabius. Hollande ou Rocco Siffredi? Fabius. Rocco Siffredi. Fabius. Guy Carlier. Qui a dit « Allez voter au Front National, je trouve ça raisonnable, normal, acceptable. » Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Bigard, Doc Gynéco, Alain Delon ou Dieudonné? Dieudonné. Non, c'est Bruno. Doc Gynéco, bravo Thomas. Il n'y a plus rien à dire derrière. Thomas Njijol, toujours en tête. Tu te souviens que j'ai gagné le dernier blind test? Il a gagné le dernier blind test de la dernière émission. Eh oui. J'ai toujours c'est comme en équipe de France, heureusement qu'il y a des blackies. Hein, je veux dire. Mais c'est ça. Ouais. De qui parle Roselyne Bachelot quand elle dit « Il est dans un état épouvantable, il a engagé une femme qui lui sert de canne, ses cuisses sont fondues ». Le Pen. Bravo, Guy Carlier. Carlier remonte, non, Steph? C'est toujours Thomas, très en tête. D'accord. Comment s'appelle le livre de Pierre Péan sur Jacques Chirac? Le couillon de Brégançon, l'inconnu de l'Élysée, le gros baiseur du château de Bitti, ou quoi? C'est ça, un président? L'inconnu de l'Élysée. Non, je ne savais pas, mais quand même un peu de respect, quoi. C'est très bien écrit. Pauline et Sébastien, voilà. Attention. On se concentre, tout n'est pas joué. Qui a dit « Si on me demandait de me raser la moitié de la tête, je le ferais avec plaisir. » Marion Cotillard. Bravo. Marion Cotillard, Michel Polnareff, Zinedine Zidane ou Sharon Stone. Pauline est à égalité avec Thomas Njijol. On ne répond pas avant que j'ai fini de poser la question, pardon, Pauline. Pardon, je ne dis rien pour cette fois parce que, je demande pardon. Parce que tu es très jolie, mais attention, attention. On se concentre. Qui a dit « Si on me demandait de me raser la moitié de la chatte, je le ferais avec plaisir. » Clara Morgan, Marion Cotillard, Muriel Robin ou personne, arrêtez vos conneries. Personne, arrêtez vos conneries. Oui, attendez. Voilà. Cette semaine, dans le 15e arrondissement de Paris, qu'a-t-on découvert derrière une boutique supposée être une sandwicherie, un club de striptease, une clinique d'opération esthétique clandestine, un PMU clandestin, une boucherie spécialisée dans la viande d'éléphant. La boutique spécialisée dans la viande d'éléphant. Le truc de striptease. Patrick Sébastien, un club de striptease. On est allés tous les deux. Oui, derrière la boucherie. C'est derrière la boucherie. Évidemment. Attention, regardez cet extrait de Jean-Jacques Bourdin interrogeant Nicolas Sarkozy sur RMC BFM TV sur le nombre de sous-marins nucléaires. Nicolas Sarkozy, vous savez que nous avons une tradition à RMC. Nous adorons les sous-marins. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque? 5. Ah, nucléaires d'attaque? 5. Voilà, quel est le bon chiffre, alors? 6. Bravo, Patrick Sébastien. C'est des trucs ridicules, quoi. Ouais. C'est quand même une question stupide. Mais il l'a fait toujours, Bourdin. Hein. Parce qu'il y a 4... sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il y en a 4, lanceurs d'engins, c'est-à-dire ceux qui assurent la dissuasion nucléaire, et il y a 6 sous-marins d'attaque qui, eux, ont pour
objet de protéger la flotte. Ils n'ont donc rien à voir avec la dissuasion. Avec des armes conventionnelles. Voilà. Mais alors, tu vois, tu as remarqué que chaque candidat, il affine le truc. La première pour Ségolène, c'était sous-marin nucléaire. Là, c'est sous-marin nucléaire d'attaque. Il y a Bayrou qui y va lundi prochain. Ça va être sous-marin. Oui. Combien de sous-marins nucléaires d'attaque dont les commandants ont des hémorroïdes. Tu vois, ça va être un truc. C'est devenu un jeu. Alors, Stéphane, qui est champion de l'actu cette semaine? Pauline. Le champion de l'actu cette semaine est Pauline Delpes. Bravo. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Pauline Delpes, Sous la neige noire, chez Michel Lafon, Patrick Devedjian, merci, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, Patrick Sébastien, au Casino de Paris, du 27 au 31 mars. Guy Carlier, sauf le respect que je vous dois, c'est publié chez Michel Lafon, c'est 5e des ventes, voilà. Thomas Ndjijol, en tournée avec le Jamel Comedy Club dans toute la France. Je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Salut les Terriens! Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.